Lorsque le dessin est considéré comme étant terminé, on va le préparer, on va le fixer à la pierre, si on peut dire, et séparer le gras du maigre en passant un mélange de gomme arabique et d'acide nitrique. La première phase de la préparation de la pierre, c'est d'abord une belle analyse de ce qu'il y a dessus, de ce qu'on veut conserver, de comment on veut amener les choses. Quand on prépare la pierre, on la prépare en général avec une gestuelle, des mouvements qui sont rapides, parce qu'on veut éviter que l'acide ne stagne trop longtemps. Il y a un rythme à trouver, qui ne veut pas dire qu'il faut aller forcément très vite, mais il faut être précis et concis dans ses gestes.